culture qui me passionne depuis tout petit. Je donne corps et âme là-dedans jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce qu'elle quitte la parcelle, qu'elle parte à l'usine de Harbert. Là, elle va devenir et transformer, on va lui extraire le sucre pour le commercialiser. Et la betterave, c'est un peu comme le cochon, rien n'est perdu, le reste va également râler pour affourager du bétail en tant que pulpe et mélasse et différents déchets. La terre va revenir dans les terreaux du lundi et il y a encore de la chaux qui est aussi extraite avec cette betterave qu'on remet dans les sols. Je ne l'arrache plus rien moi-même. Maintenant, c'est une entreprise qui vient. Question rapidité aussi et efficacité. À l'époque, si c'était 17 hectares, c'était quasiment 10 jours. On faisait que de l'arracher de betterave. Et maintenant, c'est en 3 jours, ça, tout est arraché. Ces betteraves-là, une partie partant par rail, par train, et l'une autre partie part directement en tracteur, région d'Avanche, ça part directement en tracteur jusqu'à Harbert, jusqu'à l'usine. Et une autre partie, comme ce tas qu'on a derrière nous, part au mois de décembre par camion.